Eh bien bonjour à tous, donc on se retrouve avant pour une petite session là d'une après-midi pour essayer de faire du poisson blanc et de la perche au verre au drop shot. Donc on va essayer de pêcher finement et puis en même temps on va pêcher dans un canal parce que là dans la rivière ça brasse de trop, on risque de mal pêcher donc on va accentuer le canal. Donc voilà. First petite perche. Yeah, j'ai vu prendre. Allez, fils de lâche. Yeah, super belle couleur. Hop. Yes. Dame. J'espère qu'on va bien voir la canne. Plus belle perche là cette fois. Toujours des couleurs magnifiques quoi. Bon allez, on la remet à l'eau. Four fish. Encore une petite perche. Bien sympa. Allez go. Oh masse ta perche. Oh masse ta perche. Masta. Yes. Elle est bien piquée ou pas? Ça a l'air d'aller. Super perche. Ah, c'est une belle masta là. Oh elle est belle. Ouais, elle a de belles couleurs. Hein. Ouais. Ouais avec sa tache noire là. Ouais. Je pense qu'elle est pleine d'œufs. Ouais. Ça va bientôt offrir. Ouais. On va voir. Donc bah voilà, en fait j'ai trouvé une zone très calme où le courant n'est pas du tout présent ou très peu, et donc les poissons viennent se planquer ici. Il y a plein de petits gardons et donc en fait toutes les belles perches, toutes sortes de poissons viennent se reposer ici.
Et donc il y a un bon peuplement de perches là. Donc c'est sympa, hein. J'ai laissé ma canne opposée au fond. On va bien voir ce que ça donne. Donc vous avez pu voir, j'ai fait une belle perche déjà, de au moins 35, j'ai pas mesuré, mais pleine d'œufs. Donc elle est repartie à l'eau tranquillement. Donc on va essayer de retenter de faire quelques bons poissons encore. Peut-être changer de poste parce que là je l'ai bien lessivé, j'ai pris peut-être une 6 ou 5 perches dessus, donc c'est sympa. Bon, donc au vert, deux gros vers attachés sur un hameçon drop shot, et puis en fluorocarbone du 20 centième. Puis voilà, ça pêche quoi. Voilà, je vous reprends s'il y a du fish. Sur le spot de terre. Donc et bien voilà, la session se termine. Donc on aura fait pas mal de perches et tout ça, c'est sympa. Donc au ver de terre. Donc en fait les poissons, il faut vraiment les trouver et dès que vous les avez, ils vont taper dans les vers de terre direct. Il faut vraiment chercher des points où l'eau est calme en fait. Parce qu'il y a quand même, on est dans un canal, mais il y a pas mal de courant. Donc j'ai trouvé une zone de calme où il y a une sorte de contraste entre l'eau trouble et l'eau claire. Et donc les poissons, ils se trouvaient ici. J'en ai fait, je crois que j'ai fait pratiquement que mes poissons ici. J'y suis revenu deux fois. Et donc voilà, on a fait une petite session quand même bien sympa avec une belle, quand même, une belle perche de 35 plus. Donc, enfin 35. Vraiment cool cette session, j'espère que ça vous aura plu. Et puis à une prochaine. Allez, salut!